Salut à tous, c'est Maki et on repart aujourd'hui pour Fium Tium du Lost Abyss. Voilà, la dernière extension du jeu de cartes Pokémon Lost Abyss avec Giratina en star de cette extension. Et donc, qui dit, nouvelle extension, dit nouvelle illustration alternative à mettre la main dessus. Donc, la dernière fois, dans ma précédente vidéo, j'ai eu une trainer's full art. Donc, cette fois, j'espère avoir une petite alternative à l'intérieur, ça serait cool. Et voilà, pour le mieux, ça serait Giratina parce que voilà, c'est la top rare et c'est la classe. Ouais, elle est franchement impossible à acheter en magasin à l'unité parce qu'elle est trop chère. Elle est vraiment trop chère. Donc voilà, on va essayer de mettre la main dessus. Donc je prépare ça et let's go! Ok, nous y voilà, donc c'est parti. Donc on a déjà vu ça dans la précédente vidéo, donc on va y aller à deux packs. Lost Abyss, donc avec la nouvelle mécanique, donc la Lost Zone. Et ouais, pour avoir fait en tout cas les tournois, certains tournois, et c'est vrai que ça change quand même pas mal cette mécanique et ça fait vraiment rager quand vos cartes partent dans la Lost Zone. Donc Locon, Goopix, Luchabule, Kagebose et Oloto qui est assez classe. J'aimerais bien essayer de faire un deck avec Oloto. Nejiki, donc la full art que j'ai eu la dernière fois, j'espère vraiment pas retomber dessus. Dolameshia, Shirodesna et Polygon. Et Dolapalto, assez cool aussi. Donc avec le nombre de Dolameshia qu'il y a sur votre banc, vous pouvez attaquer le banc adverse autant de Pokémon que vous voulez avec le banc adverse. Oh, et voilà, je les ai en deux packs, j'ai les trois. Pion, ici. Donc pour les deux premiers, il y a vraiment de très très bonnes cartes dans cette extension. Ça permet vraiment d'élargir un peu et de renforcer ses decks. Ça me renforce même certains précédents decks. Hirodesna, les decks Mew peuvent être renforcés avec la Lost Zone aussi. C'est assez cool. Night Raid, déjà qui était assez fort, donc en plus il est renforcé. Et Yamirami aussi, très, très bonne carte aussi. Yamirami. Magugalugo, pardon. Et Chonchi, et Hinoyakoma, Dambale, et Lost City, vraiment une carte abusée, donc ce stadium. Donc dès que votre Pokémon, si ce stadium est présent, dès que votre Pokémon est mis hors d'état de jeu, et bien il va dans la Lost Zone. Yeah. C'est assez chiant ça. Slipa. Ok. Allez, deux packs suivants. Pachul, j'aime bien l'illustration aussi. Dat. Yesan. Et Fayaro. Galaro Maggio. Donphan. Kagebozu qu'on a vu tout à l'heure et Bokure et Bafuron et Gift Energy, la nouvelle énergie Tokyo Energy, la nouvelle énergie spéciale qui est aussi très très bonne carte. Donc si vous attachez cette carte à un de vos Pokémon et qu'il est mis KO, vous pouvez piocher jusqu'à 7 cartes. Jusqu'à que votre main fasse 7 cartes. Vous pouvez piocher jusqu'à que votre main fasse 7 cartes. Donc ça, c'est cool. Bonne petite... petite mécanique. Donc à ajouter dans les decks. Surtout les Gigas. Le fameux Lady Gigas. Cette carte peut être ajoutée au deck Lady Gigas. Et franchement, c'est... ça renforce encore plus ce deck, ce qui est assez cool. Donc Lady Giga, c'est encore de l'avenir. Kimawari, Lost Sweeper qui vous permet de mettre dans la Lost Zone soit le terrain, soit un objet attaché à un Pokémon.
ça aussi c'est pas mal. Et ça aussi, si vous mettez dans un deck Mew, la plupart, même dans la plupart des decks, ils peuvent rentrer. Donc c'est pas forcément un deck focalisé sur la Lost Zone, donc ça c'est assez sympa. Polygon 2, Himanatsu, Mirage Ghetto et Doranchi. Toujours pas de rare pour l'instant. Donc on continue. Oh, désolé, ça va être un peu dans le désordre. Jupetta. Et Jupetta, c'est marrant, j'ai raté mon ouverture des deux paquets et les deux mêmes cartes ont sorti en même temps. Dats. Pelonpaf. Luchabule. Oh, Ptera, la première. Ptera V. Voilà. Qui est aussi en alternative, la Ptera V. Qui est magnifique d'ailleurs, l'alternative. Très Jurassic Park, on va dire. Teshito. Et Mimirol. L'appareil. Tamagetake. Et Mentang. Allez, on continue. Ah, j'ai encore raté un petit. J'ai encore raté une carte. Et c'est Mimikyu. Superbe illustration. Sleep. Sleep. En japonais, ouais, sleep. Ils disent sleep comme en anglais dormir. Donc. Pau Wau. Brisal Pose. Kametete. Et Onishizukumo. Gupix. Et Dateng et Molophone. Ah, qu'est-ce que je vais avoir comme rare dans ce jeu. Je le sens pas, c'est bon Dieu. En ce moment, j'ai pas forcément beaucoup de chance, mais Loco, Tsunaba, Oelko, Panic Mask. Panic Mask, donc si vous attachez cette carte à un Pokémon, tout, si votre adversaire a moins de 40 points de vie, vous ne subirez aucun dommage. Molo Barrel, Oelko, Chonchi, ça brille derrière, et c'est. Oh, Drapion V, je l'avais pas, Drapion V, Drapion V, assez classe dans le désert. J'aime bien l'illustration. Drapion V. Et il était déjà en V, je crois, dans les précédentes extensions, il me semble. Je sais plus. Mais voilà, le Drapion V. Voilà. Son pouvoir, c'est si vous avez des. Si l'adversaire a des Pokémon fusion ou Rengeki, Ichigeki, donc point final ou point 1000 points, le nombre de Pokémon qu'il a enlève le nombre de coups pour son attaque. Nightolay, Lokon, qui sort beaucoup, Lokon. Ayanto, Nejiki, Molobalele, Perolim, Hizukumo, Tsunaba, et oh, Drapion V-Star cette fois, et Oelho. Ah, mes cartes se cassent la gueule. Et donc le Drapion V-Star. Cette fois, donc on a les deux, V-Star et V ensemble. Hop. Et on arrive bientôt, on arrive à la moitié de la box. Et j'ai pas eu la rare encore, et j'ai pas eu tant de rares. Oh, quoique, j'en ai eu 3 déjà. Bokuei, Mimirol, Kyukon, enfin Kyukon, Metagross, Kimawari, Hibibiru, Tatsu, Meguroko, Warbiru, et Melissa aussi pour la Lost Zone. Donc, okay. Bientôt la fin, plus de la moitié, toujours pas la rare. Allez, s'il vous plaît, une petite alternative, Magumagu, Hibirishirasu, Ayanto, Oelho, Tsurubox, Polygon, Kagebozu, et Manga, Neolanto, et Panic Mask encore. Deux. Bon allez, là je le sens, sur celle-ci je le sens. Je le sens, allez, s'il vous plaît, une bonne carte là, un petit Giratina. Pachiru, Lantan, Himanatsu, Walbiru, Hibirudon,
Slip. Et manga. Et Polygon, ça brille derrière, c'est ce que c'est la rare. Ichi Henjin. Et c'est. Non, c'est une V-ma, Star encore. Et c'est cette fois, c'est. Ptera V-Star, yes. Allez, c'est assez cool. Je sais pas si vous voyez le reflet de la Lost Zone ici. Ici. C'est assez cool. Le Ptera V-Star. Ah, j'aurais mis la. Alternative de... Et regardez, franchement, la box. J'ai assemblé les deux V et V-Star ensemble. Cool. Mais ce qui veut dire que j'aurai pas Giratina V-Star parce qu'il y a deux V-Star, une ou deux V-Star par box. Donc j'aurai pas le Giratina. Donc j'aurai peut-être le V que j'ai eu dans, la, dans ma précédente ouverture. Mais là, je n'ai pas eu. Donc peut-être la V. Dugon, Kiwawa, Keiko. Compan, Magumagu, et derrière c'est Lacepos et Hidora. Donc, allez, 5 packs. Les 5 packs qui vont décider de ce qu'il va y avoir en carte rare de la box. J'ai encore une carte qui est partie là où il fallait pas. Konohana, Denshiro, Yayakoma, Dolamechia et oh Gala le Vian King V. Le V que j'avais déjà. Le Gala le Vian King. Je l'aime bien, mais bon, je l'avais déjà. C'est pas Giratina. Donc 3 V. Peut-être encore une V. Il y a encore peut-être une chance. Tanebo. Et j'ai toujours pas eu Rukups. J'ai toujours pas eu Rukups. Hibishirasu. Hidoide. Et Mimikyu. Et derrière, c'est Akuroma. Donc voilà, 3 packs, 3, non 4 packs, donc dans les deux prochaines fournées, il y aura sûrement la rare, allez on y va, Gomazo, Belorimu, Dambaru, Ojo-sama aussi en full art, ça serait cool, la deuxième top rare de l'extension, Keiko, Milimiop, et Tanebo et ah c'est l'Autumn V avec voilà mécanique qui utilise la mécanique Lost Zone donc vous voyez avec les effets l'Autumn V et donc j'aurai pas Giratina dans cette box pas de Giratina mais est-ce que ça veut dire que j'ai que la full art enfin la full art la alternative ou la SR sera là celle de Giratina est-ce que c'est un signe. Est-ce que c'est un signe? Allez, on y croit. Donc là, c'est les deux derniers packs, donc c'est sûr qu'il y a la SR là-dedans. Donc voilà, on y croit. On y va. Keiko. Oh, le stress. Les deux derniers packs. Aussi, qui est assez bon. Donc, plus il y a deux cartes dans votre Lost... Enfin, si vous avez plus de 4 cartes dans votre Lost Zone, le coût de l'attaque est réduit à 0. Fire Arrow. Donc, fin... Dernier pack, c'est cool, c'est ouf, c'est le dernier pack. Inoyakoma, Tamagetake. Ah, c'est une, ouais, c'est une Hyper Air HR et c'est Akuromano, Kiken, Polygon Z. Voilà. C'est une rainbow et c'est. J'y suis allé à fond et là direct le trainer et là je capte que c'est Akuromano Jiken. Non c'est même pas un Pokémon Rainbow, c'est même. Et encore ça aurait été Giratina en Rainbow, ça aurait été. franchement. J'ai rien contre toi, mais je te voulais pas, toi. Je te voulais pas forcément. Mais bon, ça reste une Rainbow, c'est une HR. Ouais. Bon, moi, j'aurais vraiment toujours aimé que les trainers, donc les supports, les dresseurs trainers, soient pas en HR, parce que franchement, les SR sont super belles, elles valent le coup. Donc les SR tout le temps Les full art sont quand même valent plus que les rainbow et sont beaucoup plus jolies et les rainbow elles sont un peu inutiles je trouve ça rend pas forcément sur certains persos ça les rend pas forcément super belles elles sont très difficiles à voir
autant sur les Pokémon ça rend assez cool, mais sur les persos c'est pas top, donc franchement les... Il devrait les... virez-moi ça, faites des caractères supérieurs, des alternatives avec les dresseurs, ça c'est vraiment cool, mais les chiens, on en a pas besoin, oui. Ah, bon, ça fait longtemps que j'avais pas fail une ouverture comme ça. Donc aucun Giratina. Voilà, donc j'ai pas eu Giratina. J'ai pas eu de Rookups en deux box, j'ai pas eu non plus un seul Rookups. Franchement, c'est un gros fail. Ouais. Donc voilà, on quitte là-dessus. J'aurais peut-être encore du Lost Abyss à vous montrer peut-être un jour. Donc je prendrai ma revanche. Si je la prends, en tout cas, je vous montrerai ça. Mais en attendant, je vous quitte sur ce petit fail, sur cette fail de box. Qui me va pas. Allez, je vous laisse avec Akuloma et en Rainbow. Mais bon, allez, c'est toujours aussi fun. Allez, merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Ciao. Yes.